C'est ton gars Vantard qui revient une fois de plus, again and again, te balancer cette dose, ce nectar survitaminé. Va chercher ton bavoir parce que tu vas tâcher ton tricot tellement c'est délicieux, tellement c'est succulent et tellement tu vas en foutre partout. Donc, ça s'appelle ma semaine rap. C'est la semaine rap de Monsieur Vantard. Et Vantard revient sur toute l'actualité rap, hip-hop, R&B qui s'est écoulée dans la semaine. Et je te parle de tout ce qui a retenu mon attention. Alors, dans un premier temps, c'est le retour de mon gars sûr, Nigga, Puff Daddy. Puff Daddy, Diddy, P. Diddy, il a changé de blaze je sais pas combien de fois. Et Dieu seul sait, only God knows que Vantard est l'un des plus grands fans de Puff Daddy que la Terre ait jamais porté. Donc, il a balancé cette semaine un putain de clip, un putain de morceau super lourd. Monsieur Diddy revient sale. Papy Diddy, parce que il me semble que Puff Daddy, il est né vers les années 69, un truc comme ça, donc il a pas loin de la quarantaine, mais il est là, il est toujours en forme, et sa meuf actuelle n'est autre que Cassie, donc tu vois, il a 40 piges passées. Monsieur Diddy dégomme encore des petites minettes de 25 ans. Donc il est arrivé cette semaine avec un gros morceau, un gros clip qui s'appelle Big Homie, qui est le premier extrait de son prochain album qui va arriver incessamment sous peu. Il a balancé un très gros clip, le morceau est lourd, le morceau est sale. Il y a énormément de guests dans ce clip. Il y a Snoop, il y a Bow Wow, il y a Jermaine Dupri, il y a A$AP Rocky, il y a 2 Chainz, il y a Nelly. Il y a une flopée, il a ramené limite tout le rap US dans son clip. Il y a DJ Khaled. Déjà, le morceau, c'est en featuring avec French Montana et Rick Ross. Il y a aussi Wally. Il y a Meek Mill. Donc, il a ramené toutes les grosses têtes du rap US. Ça s'appelle Big Homie. Ça s'annonce, tu vois. Il avait fait un petit virage. L'année dernière, enfin il y a quelques années, avec son Last Train to Paris, et même dans son album Press Play, il avait fait un petit crochet, il faisait un petit peu de la variété, de la pop, de la dance. Là, j'ai l'impression qu'il est en train de revenir back to the basic, il revient à l'essence même, et il revient avec un gros son lourd, fat, atroce, et je peux te dire que pipi, pipi, pepeuf. Puff Daddy, Papi Daddy revient très très en forme. Donc si l'album est calibré comme ça, déjà quoi qu'il arrive, Vantard sera l'un des premiers à récupérer son nouvel album. Tu peux être sûr et certain. Vantard ride avec Puff, Bad Boy for Life. Ensuite, ont retenu mon attention cette semaine. Le très beau clip, voilà, je tiens à le souligner parce qu'il faut le dire quand même. Il y a Eina, artiste de Boumaillé Musique. T'avais jamais entendu de rap français. Donc, il me semble qu'elle sort un EP en attendant son premier album solo qui devrait arriver incessamment sous peu. Donc, elle a balancé un putain de morceau, de track, accompagné d'un très beau clip avec un très bel étalonnage, des très belles images et compagnie. Un clip concept qui s'appelle 21 grammes. Voilà, ce morceau en question est en feat avec Monsieur Youssoupha et Monsieur SP, Ice Criminal. Et je peux te dire que le morceau est lourd, le morceau est lourd avec un petit sample, un petit peu soul, tout ça et tout. Donc le clip et le morceau ont retenu mon attention cette semaine. Et sois très attentif à ce que je vais dire tout de suite. Pour moi, et comme je le matraque à longueur de vidéo, ça n'engage que moi, tu vois, je suis garant de mes propos et de mes arguments que j'avance. Donc dans les vidéos de Vantard, ce n'est exclusivement que l'avis de Vantard que tu vois, mon opinion ne reflète pas forcément l'opinion publique. Mais pour moi, à l'heure actuelle, écoute bien ce que je vais te dire. À l'heure actuelle, de tous les labels hip-hop français,
les labels indé et compagnie. Pour moi, à l'heure actuelle, Boumaïé Music, c'est le label qui possède des rappeurs aussi forts que son général, que son sergent, qui est Youssoupha. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que dans l'écurie Boumaïé Music, tu retrouves Sam's, tu retrouves Taipan et tu retrouves SP, Ice Criminal. Et je peux te dire que ces trois rappeurs sont aussi forts que Youssoupha. Tu vois, c'est vraiment un vrai level, un vrai level. Je te dis ça dans le sens où, depuis l'aube des temps, que ce soit aux États-Unis ou en France, dans tous les labels, dans tous les crews, dans toutes les équipes, t'as souvent le rappeur confirmé qui ramène ses petits protégés. Ouais, c'est mon petit. Ouais, je te ramène mon petit protégé, c'est mon petit. Et dans 99% des cas, le petit en question qui est ramené par l'artiste confirmé, il pue la merde. Tu vois ce que je veux dire? C'est souvent, je sais pas, peut-être un ami d'enfance, peut-être que dans sa jeunesse, il était au collège. Il lui a prêté sa gomme et il lui a dit: putain, tu m'as prêté ta gomme. Je te jure que quand je serai au top, moi aussi je te ferai croquer. Tu vois? Mais c'est vraiment rare dans les écuries, les labels, dans les crews, quand le rappeur en question dit: ouais, c'est mon petit protégé. Dans 99% des cas, le mec pue la merde. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est très très rare et moi je voudrais le souligner dans cette vidéo, dans le crew. Dans la team Boumaïé Music, que ce soit SP, que ce soit Sam's ou Taipan, les trois sont aussi forts que le maître Yodai, le maître Yodai, le maître Jedi Youssoupha. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est très très rare. Donc voilà, je voulais juste le placer dans cette vidéo parce qu'en France, il y a une flopée de rappeurs ou de crew nanani qui disent: ouais, je vous présente mon petit nanani. Le mec est tellement léger, le mec est tellement light. Je sais que tu veux faire croquer ton pote et tout, mais bon, des fois, c'est tellement horrible. Ou sinon, le mec ramène son petit frère, le mec ramène son cousin. Mais bon, t'as vu le rap, je t'ai dit, la compétition et la concurrence est rude. À l'heure où je te parle, tout le monde rappe. Le gars de mon grec, il rappe. Le facteur, il rappe. Le chauffeur du bus, il rappe, mon voisin, il rappe, tout le monde rappe. Le gardien de mon immeuble, il rappe. Donc après, il faut ramener ce style de skills qui fera que tu feras la diff. Mais bon, voilà, tu vois ce que je veux dire, la concurrence est rude. Si tu sais pas rapper, abstiens-toi. Donc voilà, tout ça pour dire, le clip de Eina est disponible. Très beau clip, très belles images. Il y a son EP qui arrive dans les bacs incessamment sous peu. Je sais plus, je crois que c'est un 11 titres, il y a des clips avec tout ça, en attendant son premier album solo qui devrait arriver incessamment sous peu. Boumaïé Music. Tu n'avais jamais entendu Vantard performer. Bon, le général à qui je passe le salam, le général MacTayeur, So. A sorti son nouveau projet Banger 2. Il est dans les bacs depuis le 31 mars. 31 mars, c'est la date d'anniversaire de Monsieur Vantard. Donc, comme à son habitude, le projet est lourd, je peux te le confirmer. Le projet est dans la même veine que le Banger 1. Il a clippé cette semaine un morceau qui est lourd. Voilà, il l'a clippé. Le morceau en question s'appelle Mandela. Tu verras, comment dirais-je, si je te raconte pas de conneries, c'est clippé par Charlie Clodion. Sobre, esthétique, le général toujours swagué, toujours en forme. Et voilà, en tout cas, le son est vraiment bien parce qu'au premier abord, en entendant Mandela, le clip en question, le message, tout ça et tout, c'est un petit peu à contre-pied de ce qu'on pourrait. S'imaginer avant d'appuyer sur play et visionner ce clip qui est composé d'une putain de prod et qui est lourd et qui a retenu toute mon attention cette semaine avec des charmantes demoiselles. Donc, le général est en forme, ça fait super plaisir. Et d'ailleurs, je voudrais lui rendre hommage dans cette vidéo, je voudrais lui témoigner de l'amour car Vantard
Contrairement à énormément de rappeurs en France, parce que tu sais, les rappeurs en France, ça j'en ai déjà parlé dans énormément de vidéos, il y a un syndrome des rappeurs français en France. Je sais pas si tu as remarqué, mais à chaque fois qu'un mec qui interviewe des rappeurs français, il lui demande ouais, est-ce que tu as des confrères, est-ce qu'il y a d'autres rappeurs français, des rookies, des challengers que tu apprécies. Ils font tous les autistes, ils commencent à bégayer. Ils commencent tous à faire les autistes à bégayer. Non, moi, t'as vu, j'écoute pas de rap français. Moi, j'écoute que du rap Kenry. Moi, c'est que du Jay-Z, du Wu-Tang, du Nas, du 50, Nanani, Young Jeezy, Rick Ross. Mais moi, j'écoute pas de rap français. Donc, déjà, j'ai envie de te dire que 95% des rappeurs français mentent. Parce que, étant eux-mêmes dans le rap français. Tu vois, tu peux pas faire le mec opaque, voilà, que t'allumes la télé, tu peux tomber à n'importe quel instant sur MC, même TV Base, sur un clip de rap français, que t'allumes ta radio, que tu vas sur les sites internet, les forums et compagnie, donc les rappeurs français qui font les mythos, les autistes. Oui, moi j'écoute pas de rap français, j'écoute que du rap Quinri. Ces mêmes rappeurs sont très au courant de ce qui se passe en France et de la concurrence respective. Donc moi, contrairement à tous ces rappeurs qui ont ce fameux syndrome d'autiste, moi, t'as vu, j'ai pas de mal à dire. Enfin, quand j'apprécie un artiste, rappeur français, rappeur Quinri, mec qui fait du R&B, je le dis. Donc, Mac Tyer est un artiste que j'apprécie. Si tu veux voir sur le net une des meilleures interviews, si ce n'est la meilleure interview de Mac Tyer que Mac Tyer a fait dans toute sa carrière discographique, regarde l'interview de Vantard que j'ai fait avec Mac Tyer. Tu verras, l'interview est tellement deep. Il s'est tellement livré, il a tellement balancé des vrais punchlines sur la société, sur la violence. Mon gars, c'est l'une des meilleures interviews que Mac Tyer ait faites à ce jour. Tu vois ce que je veux dire? Et il l'a faite avec Vantard, bien évidemment. Donc moi, dans cette vidéo, je voudrais lui témoigner de l'amour, car Vantard est un très grand fan de Mac Tyer. Et bon, bien évidemment. Je pense qu'il n'a pas eu, et cette opinion est partagée par un grand nombre, Mac Tyer n'a pas eu la reconnaissance qu'il méritait. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les vrais savent, à l'heure actuelle, c'est un des tauliers, c'est un des parrains du rap game. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, contrairement à d'autres, il va pas le gueuler sur tous les toits et compagnie, mais bon. C'est déjà un vétéran du game, il a une énorme discographie, que ce soit avec Tandem ou en solo. Je l'ai déjà dit et matraqué dans énormément de vidéos, Mac Tyer est un des artistes de rap français qui a pris le plus de risques et qui s'est mis le plus en danger. Tu vois, il faut le souligner. Parce qu'il y a beaucoup de gens après le fameux morceau, morceau qui lui a peut-être porté préjudice, peut-être causé du tort, mais en tout cas, tu pourras pas dire que le mec ne s'est pas mis en danger, que le mec a proposé, le mec a testé. Et moi, rien que pour cette initiative, je salue l'artiste. Tu vois ce que je veux dire? Que ce soit au niveau des clips, au niveau des flows, au niveau des instrus, au niveau des concepts. Mac Tyer est l'un des artistes qui s'est le plus renouvelé et qui a pris le plus de risques dans le rap français. Et je veux le dire et je veux le souligner dans cette vidéo. Donc voilà, le clip Banger 2 est dispo depuis le 31 mars. Rappelle-toi, le 31 mars, c'est l'anniversaire de Vantard. Voilà, il soigne toujours aussi les clips, tu vois ce que je veux dire? Vraiment, les clips sont soignés, il propose des belles images, des beaux visuels, des beaux concepts et compagnie. Donc voilà, le général est toujours présent, il faudra compter sur lui, il tient toujours le pavé, il est en forme, et voilà. Et perso, cette semaine, le clip Mandela a retenu toute mon attention. L'instru est lourd, le clip est propre, le clip est sobre, il y a des belles images, donc voilà. Banger 2 dans les bacs depuis le 31 mars, et dans cette vidéo, je rends hommage et je passe un salam au général. Mac Tyer, on est là. So, 9-3. Ensuite, avant
d'enchaîner sur le prochain sujet. Je voudrais, parce qu'il faut rendre ce qui appartient à McTayer, il faut rendre à McTayer ce qui appartient à McTayer. Il faut lui rendre ses lettres de noblesse. Tu vois ce que je veux dire? Parce que McTayer est un avant-gardiste. McTayer est un visionnaire. Tu vois ce que je veux dire? Parce que déjà, McTayer a, comment s'appelle son album, le double album, là, le Général McTayer, qui est l'un des plus grands classiques du rap français. J'arrive. J'arrive, bouge pas! Je te l'ai dit, je te le répète, Vantard est un passionné. On possède les produits, on est des collectionneurs. Voilà. Donc tu vois d'où je viens. Et le méga classique de McTayer, Le Général. Double album. Tout fan de rap français qui se respecte doit posséder cet album, Le Général. Mon gars, c'est l'un des méga classiques du rap français. Les vrais savent, tu vois, quelle que soit la tournure de la carrière de McTayer, quelle que soit la tournure que sa carrière va prendre, mon gars, c'est un classique, un chef-d'œuvre, un masterpice. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Et en fait, là où je voulais en venir, dans cet album, comme je t'ai dit, McTayer est un visionnaire, McTayer est un avant-gardiste. Dans cet album, McTayer était l'un des premiers à rapper sur des sons Dirty South, des sons dirty. La France est tellement en info qu'elle en redemande, qu'elle en redemande. Les morceaux d'RK, les morceaux 9-3, tu peux pas test. J'ai la racaille ambition. Mon gars, c'était l'un des premiers. Voilà. Donc, McTayer était l'un des premiers à rapper sur des sons Dirty South. McTayer a été l'un des premiers à dénicher Will Star, jeune beatmaker qui avait la dalle, et c'est lui qui avait Will Star. C'est l'un des, voilà, un de ses premiers classiques hit banger qu'il a placé. C'était la prod de 9-3, tu peux pas test. Une fois qu'il a placé ça et que McTayer, entre guillemets, l'a ramené, l'a intronisé, après, il a fait une flopée d'instru pour une grande partie du rap français, mais c'est McTayer qui, entre guillemets, l'avait mis un, tu vois ce que je veux dire? Et McTayer, encore une fois de plus, avant que Chris Macari devienne le réalisateur de clips attitré de Booba, c'est encore le général McTayer qui avait ramené, comment s'appelle, Chris Macari, enfin qui a fait, entre guillemets, exploser Chris Macari. D'ailleurs, McTayer a collaboré un nombre incalculable de fois aussi avec Chris Macari. Et l'un des premiers vrais clips rap qui a mis la pression de Chris Macari, c'était ce fameux morceau encore 9-3, tu peux pas test. Et c'était McTayer qui l'avait ramené. Tu vois, donc il faut rendre à César ce qui appartient à McTayer. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Bon, la parenthèse sur McTayer est refermée. Mais bon, je suis content de lui donner ce love et voilà, de lui apporter le soutien de Mister Vantard, il m'a fait kiffer. Donc t'as vu, c'est un truc de karma. Tu dois redonner du love à... Il m'a fait kiffer dans des clips, il m'a fait kiffer dans des morceaux, dans des concerts. Donc on rend cet amour. Bref. Ensuite, je voudrais parler de Monsieur Dinos Punchlinovic. D'ailleurs, au final, maintenant que j'y pense, on s'est croisés. C'était à l'avant-première de le Crocodile du Boswanga avec Fabrice Eboué et truc. Et au final, avant que je me penche sur le cas Dinos Punchlinovic, au final, il était assis juste à côté de moi. Et j'avais pas fait le rapprochement, je m'étais pas encore penché sur sa discographie, sur son parcours et compagnie. Mais au final, on était assis côte à côte. Je le connaissais juste de visuel. Et au final, ben, on était assis côte à côte, cette fameuse avant-première de Crocodile du Boswanga au Gaumont Saint-Denis, Stade de France. Donc, j'ai déjà parlé de Dinos Punchlinovic dans une semaine rap, je ne sais plus si c'était la 1 ou la 2. Il avait balancé un clip de très bonne facture qui m'avait parlé, qui avait retenu mon attention, qui s'appelait 2014.
Donc, il y a son EP qui me semble qui s'appelle Apparence qui va sortir chez Def Jam France Recording Motherfuck qui sort incessamment sous peu, mi-avril, un truc comme ça. Et il en est déjà à 3 clips. Donc, il a clippé Namek, il a clippé 2014 et cette semaine, il a clippé un très beau clip en Afrique. Un clip qui s'appelle Quelqu'un de bien et au-delà même du clip, la première chose qui m'a vraiment frappé, du haut de ses 21 ans, le mec fait preuve d'une maturité, ça fait flipper, tu vois ce que je veux dire, vraiment, parce que j'ai déjà parlé de la nouvelle génération, hein. Je sais pas si tu as vu mon palmarès ou si tu suis mes vidéos et compagnie, j'ai déjà parlé de la nouvelle génération. Et j'ai déjà parlé de ce fameux syndrome de la nouvelle génération où les rappeurs avaient souvent un succès d'estime. Tu vois, les rappeurs, la plupart du temps, c'était des autofellations, c'était de l'ego trip poussé au paroxysme, mais au final, ton rap tournait en rond et ton rap n'apporte rien. Donc, c'est cette catégorie de rappeurs de la nouvelle génération, je vais pas citer de blase. Les rappeurs de la nouvelle génération que j'apprécie, j'en parle. Voilà, j'ai déjà donné des blases, des jokes, des dossiers, des voilà. Dino Spunchlinovic, c'est un rappeur aussi que j'apprécie et que je suis de très près. Ce que je reproche justement à ces rappeurs de la nouvelle génération, c'est que ils recherchent tellement la punchline pour de la punchline. Qu'au final, leur rap, il tourne en rond. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que dans les cours de collège, dans les lycées, dans les trucs et tout, les mecs disent: Oh putain, il est fort, il est fort, il est fort! Oh là là, putain, t'as entendu son freestyle de une demi-heure? Oh, il est fort, il est fort! Le rappeur en question est tellement fort que tu n'achètes pas son album. Tu vois ce que je veux dire? Donc, il y a fort et fort. Le rappeur, il est tellement fort que tu n'achètes pas son album. Donc, tu ne le soutiens pas. Et la plupart du temps, ces rappeurs n'ont qu'un succès d'estime. Tu vois, ils rappent juste pour dire, ah ouais, il est fort, ah ouais, la punchline là, elle est trop technique, mais ton rap, il tourne en rond et tu n'apportes rien. Donc, tu dois avoir des skills et tu dois allier le fond et la forme. Tu dois être fort, technique, tout en apportant du contenu. Et pour moi, un des meilleurs exemples, par exemple à Marseille, le rappeur REDK, d'ailleurs j'ai fait une putain de chronique légendaire de son premier album solo, qui est dispo sur ma chaîne. Et en France, au niveau des rappeurs techniques, l'un des pionniers, l'un des maîtres de ce style de rap, c'est Monsieur Nak Mendoza. C'est-à-dire le rap technique, mais vraiment technique, parce que c'est vraiment un rap. Qui t'as vu en France les vrais rappeurs techniques qui allient le fond et la forme, hein. Pas les rappeurs de la nouvelle génération qui s'auto-sucent et sur tout un album, nanani, j'ai 38 voitures, je change d'habit toutes les heures, je baise des meufs, nanani, ton rap il tourne en rond, c'est bidon, tu rapportes rien au game, tu vois ce que je veux dire? Il faut faire la diff et apporter quelque chose au game, te différencier, que ce soit au niveau des clips, des instrus. Tu vois, c'est un packaging. Mais si tu rappes juste punchliner pour de la punchline, c'est voilà, tu n'apportes rien. Et Vantard raconte tellement de bullshit qu'il a perdu le fil. Donc, voilà, tout ça pour dire que les meilleurs représentants à l'heure actuelle, c'est REDK à Marseille et Nak Mendoza à Paris. Et Dino Spunchlinovic allie le fond et la forme. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est un rap technique avec de la punchline agressive, mais il y a du contenu. Donc si tu écoutes le fameux morceau Quelqu'un de bien qui est sorti cette semaine, très beau clip qu'il a tourné en Afrique avec de belles images et compagnie, moi ce morceau-là, il m'a parlé. Tu vois, il y a un vrai contenu, il y a des vrais punchlines, et du haut de ses 21 ans, moi personnellement, il m'a vraiment surpris de sa lucidité et de sa maturité. Et c'est un packaging parce que même dans son clip, et au final, moi en tout cas, ça m'a interpellé. C'est-à-dire que même au niveau de son swag, le mec est revenu aux fondamentaux, le mec est revenu à l'essentiel. Là où au niveau du rap, c'est l'opulence des nanani, j'ai 8 chaînes,
je change de sap. Dès que je cligne des yeux, j'ai un nouveau t-shirt. J'ai des Jordan 12, là où les rappeurs cherchent le dernier swag qui tue. Et ben dans son clip qu'il a tourné en Afrique, son swag, c'est jean, Levi's, simple, t-shirt blanc. Tu vois ce que je veux dire? Et ben même moi, ça me parle, tu vois. Il n'est pas parti chercher les vestes en cuir, les swags de hipster ou je sais pas quoi. Le mec est resté simple. Et même dans le clip qu'il avait fait juste avant, le clip en noir et blanc, pareil. Chemise, t-shirt blanc. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, voilà, en tout cas, ça me parle. Là où les rappeurs, ils mettent limite plus en avant leur swag que leurs skills ou leur flow ou quoi. Tu vois, là, le mec est revenu au basique, le mec est revenu aux fondamentaux. Paire de Nike, jean Levi's, t-shirt blanc, et voilà, moi, ça m'a parlé. En tout cas, le clip est sorti cette semaine. Il s'appelle Quelqu'un de bien. Je vous encourage à jeter un œil et soyez très attentifs au contenu, aux lyrics et aux punchlines. Parce que voilà, du haut de ses 21 ans, le mec fait preuve d'une maturité et d'une lucidité. Et dans les rappeurs de la nouvelle génération, voilà, il y en a plein qui sont bons, qui sont talentueux. Peut-être un jour, je ferai une méga vidéo, les rappeurs de la new generation, où je parlerai de ces rappeurs. Mais bon, comme je te l'ai dit, tu sais que la parole de vantard pèse lourd dans ce motherfucking game, nigga! Tu vois, que ce soit mes interviews, mes analyses, mes débriefs de concerts, mes chroniques d'albums, de mixtapes et compagnie, les rappeurs savent qui je suis. Ma fanbase sait qui je suis. Les beatmakers, les journalistes, la concurrence, tout le monde en 2014 sait qui est Vantard. Tu peux dire que tu m'aimes pas. Tu peux dire que ce que je fais, ça ne te parle pas. Mais en 2014, tu ne peux pas dire que tu ne connais pas Vantard. Tu vois ce que je veux dire? Et tu sais que la parole de Vantard pèse lourd dans ce motherfucking game. Donc, pour que tu rentres dans les petits papiers de Vantard, pour que tu retiennes mon attention, et pour que je parle de toi dans une de mes vidéos, c'est que vraiment tu rapportes quelque chose au game ou que tu sois fort. Parce que mon gars, n'entre pas dans les petits papiers de Vantard qui veut. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toute la semaine, tu sais, la parole de Vantard pèse lourd dans le game. Donc toute la semaine, il y a des gars qui me disent: Vantard, est-ce que tu vas chroniquer cet album? Vantard, est-ce que tu vas parler de lui, de lui, de lui? Mon gars, je t'ai dit, pour rentrer dans les petits papiers de Vantard et pour rentrer dans ma playlist, faut te lever de bonne heure. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la concurrence est rude. De nos jours, tout le monde rappe. Vantard rap, mon voisin rap, le mec du grec rap, mon facteur rap, mon boulanger rap, le gardien de mon immeuble rap, tout le monde rap, le chauffeur du bus. Donc si tu te démarques pas, si tu fais pas la diff et si tu ne rapportes pas quelque chose de nouveau, voilà, la concurrence est rude, mon gars. Donc voilà. Tiens, et dans les méga classiques de Mac Taylor, il y avait celui-là aussi. Patrimoine du ghetto. Très 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 lourd. Produit par Monsieur Joe le Balafré. Si tu n'as pas ce méga classique dans ta discographie, mon gars, oh là là, patrimoine du ghetto. Les vrais savent, les vrais savent. La big big news de la semaine, c'est ma man Mike Jackson. Repose en paix, le plus grand artiste, le plus grand entertainer que la Terre n'ait jamais porté. Il n'y aura qu'un seul Michael Jackson jusqu'à la fin des temps. Donc ma main, Michael Jackson, va sortir un album posthume qui va arriver le 13 mai dans les bacs. L'album s'appelle Xscape. Il sera composé de 8 titres et voilà, c'est des sessions perdues, des petits yaourts, des morceaux inédits, des trucs qu'ils ont ressortis, des archives qui n'étaient jamais sorties. Donc ça sort le 13 mai, ce sera 8 morceaux. Exécutif producteur de cet album posthume, ce sera ma main Timbaland, Timbo. Et voilà, il y aura des prods de Timbaland, il y aura des prods de Stargate. Voilà, on va attendre de voir ce que ça donne, en sachant que le dernier projet en date avait fait polémique. Il y avait des gens qui disaient que c'était pas la vraie voix de Michael, tout ça et tout. Donc voilà, j'espère que le projet sera à la hauteur de l'homme, du plus grand artiste, greatest artist of all time.
Et voilà, en tout cas, on attend ce projet de pied ferme. C'est le 13 mai, ce sera dans les bacs, Xscape, Michael Jackson. Si tu vois cette vidéo, repose en paix. Vantard t'aime, Vantard te donne du love. Michael, Michael forever. Michael, Michael, c'est... Mon gars, Michael, tu... Il a influencé tout le monde, il a influencé tout le monde. Les Chris Brown, les Usher, les R. Kelly, c'est le plus grand, c'est le patron. Tous tes petits chanteurs de R&B à la con, Trey Songz, Chris Brown et tout, qui sont là en train de se caresser les tétons, à se toucher la bite, c'est Michael Jackson. Mon gars, ils ont tous été inspirés, c'est le plus grand. Qui a inventé les flow mitraillettes? Les flow mitraillettes, qui les a inventés? C'est Michael, mon gars. C'est le plus grand. Michael, Michael, Michael. Donc on sera là le 13 mai. Escape. Michael, I love you forever. Bon, et je terminerai ma semaine avec Mr. Boobs. T'as vu, il avait balancé une punchline, je sais plus dans quel morceau, il avait balancé une punchline, cherche un deal avec L'Oréal. Eh ben, il a fini par trouver son deal et il franchit encore une étape, un palier dans le game de l'entertainment, au même titre que ma main Puff Daddy aux États-Unis. Donc, le premier parfum uncut sera disponible en précommande sur le fameux site internet de sa marque à partir du 15 avril en précommande. Donc voilà, t'as vu, je salue l'initiative et la performance. T'as vu, il l'avait placé en punchline dans un de ses morceaux ou une de ses intros, je sais plus. Et au final, t'as vu, le parfum Uncut va finir par arriver. Pour le plus grand plaisir des fanatiques. Donc, tu as vu, c'est pas tous les rappeurs qui sortent leur parfum, tout ça. Là, c'est quand tu tapes le haut du panier. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire qu'aux États-Unis, il y a Puff. En France, à ma connaissance, comme ça, je vois pas spécialement un rappeur qui a sorti son parfum. Ah, si, il me semble que Mokobé avait sorti un parfum, il me semble. Donc, voilà. Je pense que les rappeurs français qui ont sorti leur parfum en France se comptent sur les doigts d'une main. Et voilà, donc à partir du 15 avril, en précommande pour tous les petits fanatiques, le premier parfum de Booba. On va aller jeter un œil, sentir la fragrance. C'est comme ça qu'on dit la fragrance, ouais, pour voir si ça sent bon, si ça smell good. Donc voilà, c'était ton Gavantard pour cette semaine 3. Donc, merci de votre soutien grandissant et légendaire. J'ai d'excellents retours et j'ai de plus en plus de personnes qui m'envoient des messages sur Facebook en privé pour me dire: ouais, Vantard, dans ta semaine, est-ce que tu pourras parler de lui? Est-ce que tu pourras parler de lui? Est-ce que tu pourras parler de ce clip-là et tout? Je te l'ai dit, le concept des semaines rap, c'est ma semaine rap. C'est tout ce qui a retenu mon attention. Donc, bien évidemment, je pense que chaque semaine, il y a des gens qui vont regarder ma semaine rap. Ils vont dire: mais putain, t'as pas parlé de ça, t'as pas parlé de ça. Je parle de ce que je veux, point barre, point la ligne, point majuscule. C'était ton Gavantard, peace and love. Continuez à soutenir, continuez à haïr. C'est comme vous voulez. Je m'en bats les steaks. Bon week-end à tous.